La saga de France 2 cet été avec Charlotte de Turckheim, Anthony Delon, et ça s'appelle Un été de canicule, mesdames, messieurs. Vous faites une bien jolie maman, il a bien de la chance cet Anthony Delon quand même. Il a essayé de vous choper pour faire sa mère. J'aurais bien aimé. Ouais. Alors vous n'êtes pas du tout comme Emma. Vous détestez le secret, vous êtes une fille franche, directe. Moi, je me souviens, la première fois que je vous ai interviewé, vous m'avez déclaré, moi j'avoue que j'étais choqué, pourtant, que vous aviez fumé votre premier pétard à l'âge de 13 ans, même très jeune, et que c'est la mère d'une copine qui vous l'avait fait fumer. Ouais. Et les gâteaux d'anniversaire, elle faisait quand même des spice cakes, quand même. Ah oui, d'accord. Sympa. Alors, il y a autre chose aussi, c'est votre première expérience homosexuelle. Alors là, vous m'avez raconté ça à l'époque, oui. Vous ne souvenez pas? Non, mais je dis beaucoup de conneries. Ouais. J'ai été à une partout sans le savoir. Voilà. Voilà, sans m'en rendre compte. Ouais. Je suis arrivée avec un bouquet de fleurs, enfin, j'étais un idiote, voilà. Non? J'ai cru que j'arrivais, oui, je ne pouvais pas imaginer, en fait. Et je suis arrivée à la première. Ouais. Et donc, quand on arrive à la première à une partout, on ne s'en rend pas compte. Qu'est-ce qu'on fait? On se caresse? Comment ça se passe? Moi, je pensais que j'arrivais à un dîner, si tu veux, donc j'ai pas vu le coup venir, si je peux me permettre cette expression. Oui. Voilà. Et puis petit à petit, les gens, je trouvais, avaient des positions un petit peu olé olé, on va dire. Hein. Voilà, ça se dénudait un peu. Mais c'était l'été, il faisait très chaud, comme en ce moment. Donc je me suis dit, allez donc, les gens sont libres ici. Hein. T'avais quel âge? Bah, j'avais 18 ans, c'était avenue Victor Hugo dans le 16e arrondissement. Oh, oui, c'est mieux que dans le 20e, c'est plus chic. Ouais. Et bien à un moment, quand j'ai vu que les gens étaient franchement à poil et que ça flirtait dans tous les coins, je me suis dit, ça serait pas une partouze, dis donc. Elle est maline, hein? Ça serait pas... On la baisse pas comme ça, elle. Et alors? Je suis partie, mais c'était pas mon truc. Ouais. Non, je promets, c'est pas mon truc. Ouais. Alors, vous avez quand même un point commun avec Emma, l'héroïne de la série, c'est que vous faites toujours bonne figure. Oui, ça, ouais. Tout va bien, même quand tout va mal. Voilà, never explain, never complain, c'est voilà. Tout vous, ça. Moi, c'est toujours comme ça. Votre côté protestant, aristocratique. Hein. Par exemple, quand vous êtes parti en exil en Espagne, vous êtes parti vous installer là-bas pour des raisons personnelles, avez-vous dit à l'époque. Et puis, vous êtes revenu. Vous êtes revenu, sans rien dire, à la fin de cet exil. C'est pourtant... Non, mais c'est dur, ce retour. Oui. Quand on s'en va quelque part comme ça, on brûle ses vaisseaux. Je parle bien. C'était dur le retour. C'était très dur le retour, ouais. Oui, c'est vrai. Partir n'était pas difficile, parce que de toute façon, tout allait mal dans ma vie à ce moment-là. Donc c'était mieux de partir, voilà. Revenir au bout de 3 ans, c'était compliqué parce que... Ça allait encore plus mal. Donc. Oui, ça allait encore plus mal. C'est terrible. Non, mais qu'est-ce que tu as fait 3 ans en Espagne? Qu'est-ce que j'ai fait? Ben, j'ai vécu, j'ai travaillé, je me suis tellement emmerdé qu'en fin de compte, c'est pour ça que j'ai décidé de revenir. Comme quoi. Charlotte, sur le plan sentimental également, vous plaît. Sexuel, hein, on voudrait surtout. Laurent, un petit peu de classe, quoi, c'est une Turckheim quand même. Oui, mais à l'espace, qu'elle a une particule, qu'elle a j'ai pas. J'ai une sexualité tout de même, hein, vous savez, les aristocrates ont une sexualité. Bien sûr, ils s'en produisent, hein, c'est vrai, il y en aurait. Justement, vous plaignez rarement, Charlotte, pourtant, vous déclariez encore récemment dans la presse, mon cœur est à prendre. Que le cœur, alors. Mon cœur est à prendre. Et ça je vous n'ai... fait marrer, bande de cons. Mais je n'ai... Non, je n'ai pas l'âme... Vous aussi, ça vous fait rire. Marrer, ouais. Faudrait bien de le prendre, son cœur. Je n'ai pas l'âme d'une célibataire, disiez-vous, Charlotte. Oui, c'est vrai, je suis célibataire en ce moment, j'aime pas du tout ça. Ah, les mecs? Non. Depuis combien de temps? 4 mois. Ah. On peut lancer un appel, tu sais, je crois que... Tu peux regarder la caméra, Charlotte, et lancer un appel. La caméra, vous non, je suis pas amoureuse, je suis pas amoureuse, et c'est très désagréable. Non, mais alors, tu voudrais un type de quel âge? Tu peux donner une tranche d'âge? Entre 35 et 55, je dirais. Voilà. Brun, blanc, brun, blanc. Plutôt brun, quand plutôt même. Brun. Plutôt brun. Les centres d'intérêt? Le sexe? Les partout. C'est possible. 4 mois, si possible. Donc voilà, continue. Non, mais je sais que ça marche. On a marié Larousseau. Attendez. Si on est arrivé à marier Larousseau, croyez bien, Charlotte, qu'on vous mariera bien, franchement. Alors, Larousseau, elle est un mec formidable. Hein. Un mec qui est ingénieur. Elle est toujours avec? Elle est toujours avec, bien sûr. Un mec qui est ingénieur, Fabrice. Non, extraordinaire. On l'a plus revue, Larousseau. Vous remarquez que depuis qu'on l'a mariée, elle a disparu. On l'a plus jamais revue, Larousseau. Elle est partie avec lui, faites gaffe. Hein. Ah ouais. Et tu cherches l'amour fou? Est-ce que tu es prête à avoir une expérience comme ça, des aventures, de passage? Avec des cinéastes, par exemple, qui font eux-mêmes leurs films, par exemple, des choses au comme hasard, ça. Au hasard, quoi. Alors, je crois que cette fois-ci, je serais prête à me marier. Pourtant, c'était pas... Ah ouais. Ah non, mais attendez, c'est très sérieux, ça. Ah ouais, ça sérieux. Ah ouais. Vous, dites-le à la caméra, ça, c'est pas du tout la même chose, non, là. Non, j'ai pas épousé. Vous allez trouver. Vous êtes un petit vieux, là. Vous êtes un petit vieux. Non, je vais pas faire une annonce non plus. Je veux dire, j'envisageais, mais je vais pas épouser le premier qui me... Ça sert à ça, cette émission.
Ah oui. Si vous saviez le nombre de gens, hein, Laurent, qu'on trouvait chaussures à leurs pieds, comme on dit nous, mais. Hein. Mais tu vas trouver là, les emails vont arriver. Les emails vont arriver, oui. Vous allez voir. Tu vas voir. Bien. Enfin, non mais c'est vrai, Charlotte. Vous remarquez quand même que ça fait quoi, une dizaine de minutes qu'on parle. On n'a pas parlé de votre nez, contrairement à ce qui se passe à la télévision chaque fois. J'ai tout plutôt bien maintenant. J'aime bien. On n'en parle pas. On n'en parle pas. On n'en parle pas. On n'en parle pas. Ouais. On parle pas de votre lèvre supérieure. Non, c'est vrai, ça fait longtemps. Qui est un peu courte. On parle pas de votre menton. Ah, j'ai un problème avec mon menton. Pas du tout. Pas du tout, justement. On n'en parle pas. C'est pour ça. C'est pour ça qu'on n'en parle pas. Elle est très flatteuse, cet écran de télé, là. Ouais. J'adore. Ouais. Je m'idolâtre. Hein. Oui, bah regardez-vous. Regarde Charlotte, mets-toi nue, tu vas voir comme ça rend bien. En revanche, Charlotte, la psychanalyse vous a aidé à être mieux dans votre peau? Ah oui, oui. Bah ouais. Non, c'est pas évident, ça se voit si, pas. Si, si, bah justement, si. Je me demande pourquoi vous êtes si bien. Vous êtes complètement décontracté, là, complètement éclaté. En même temps, elle se drogue, hein, ça joue aussi. Hein. L'école supérieure de comédie musicale, vous... Monsieur, oui, je suis marraine de ce truc-là, c'est vachement bien. Oui, qu'est-ce qu'il faut faire? Parce qu'on me dit que vous parlez de ça. Mais c'est enfin une école de comédie musicale qui se monte à Paris, ce qui n'existait pas. Ouais. Et moi, ça me fait vachement plaisir parce que j'ai cherché ça pendant des années. Quand j'étais jeune, je voulais m'inscrire là-dedans. Mmh. Et puis, mes filles cherchaient une école comme ça et donc ça on ne trouvait pas. Et voilà. Et quand ils m'ont contacté, et c'est déjà vachement bien, lui, il a déjà monté une école à Cannes qui marche très bien. Et ils ont enfin, ça semble incroyable que Paris n'ait pas d'école de comédie musicale quand même. Oui, c'est vrai.